J'adore ta robe rose. Merci. C'est une petite robe que j'ai testée avec ma mère dans une boutique. Et au début, j'essaye la robe. Ma mère a dit que la robe, elle me va comme un gant. Moi, j'aurais préféré qu'elle m'aille comme une robe. Je pense que tu as été caissière à un moment donné dans ta vie. Oui, c'est vrai, j'étais... Pute! Caissière. Pardon, excuse-moi, c'est parce qu'en fait, la caissière, en l'occurrence, salope! Elle souffre du syndrome de la Tourette. Tu sais, ah, la Tourette, c'est oui, un oui, TOC. Oui, je connais très trouble bien. Trouble obsessionnel compulsif. Chaque fois qu'elle a une petite contrariété, elle a pute. Elle sort une petite grossièreté, voilà. Mais en même temps, c'est une caissière, c'est pour ça qu'elle fait ce métier. Mais c'est peut-être parce que tu étais prostituée aussi que t'es venu ton TOC de pute. Prostituée, c'est vite dit, hein, en fait. C'est-à-dire que... Transsexuelle. Voilà, ouais. On parlait des seins. Oui, c'est pour payer l'opération quand même, ça coûte super cher. Moi, quand j'ai vu le devis hein, pour l'opération, j'ai cru que c'était les résultats du loto. Alors, les boules, les boules, je ne sais pas eu longtemps. Il y avait 6 chiffres. Oui, ouf, facile. Est-ce que tu as fait des études de comédienne? Oh, mon Dieu, des études de comédienne! Je ne savais pas qu'il fallait faire des études! Pourtant, moi, j'ai de l'ambition. J'étais assez allée loin niveau études. Il faut dire que mon école était à plus de 20 km. mais niveau études, non. Je pense que le métier de comédienne, c'est inné dans le sang. C'est comme ça que ça naît. Et c'est tous les jours, remettre à tous les jours ce qu'on peut faire au quotidien. Vraiment, un truc comme ça. Oui, je vois bien. Bon, ben, merci alors. Isa ou Isabelle? Est-ce qu'on est assez intime pour dire Isa ou Isabelle, parce que j'ai 2 ailes pour voler et un seul cœur pour t'aimer. Je peux avoir une bise, Isa? Oui. Mouah. Mouah. À bientôt, Emma.